La première nuit d'hiver, tu porteras seulement une tunique blanche. Tu chercheras un endroit éloigné et silencieux, de préférence en plein air. Dans une sacoche, tu emporteras dagues de cérémonie en métal argent et runes taillées à gala, myrrhe, plume et encre, parchemin vierge. Sur la terre, tu dessineras un carré. Tu entreras dans celui-ci en récitant Vos vis, Atris, Luna. Une fois dedans, tu traceras un deuxième carré qui enveloppera le premier. À l'intérieur de celui-là, tu écriras Vir est caro, vir est quo, vi est kelinken diabod perturbat. Tu prendras place. Extrairas de ta sacoche la myrrhe et la couvriras. Verras dans l'air trois cercles au-dessus de ta tête. Tu sortiras la dague, l'inclineras vers le nord, ensuite vers le sud, puis tu salueras l'Orient et l'Occident. Et à la fin de ceci, tu diras Niveus na Jesed Niger na Gebuda. Avec ta autre main, tu extrairas le parchemin vierge. Coupe un point de ta main et verse cette goutte de sang sur le papier. Ensuite, garde ta dague, souris et remercie. Car tu es sur le point de réveiller le grand macho de Mendes. Avec plume et encre, tu écriras sur le parchemin. Autour de chaque goutte de sang, Vos domine ab scientia, vos erat quendia minis militis, vos ago in astru vinque ora, lux lucis vita contex, tanto mi vestri distintos, de factio iano a sapiente, tu fermeras le parchemin, fermeras les cieux, à trois fois ce chant magique et hermétique, des faïcomis bantés, des faïcomis bantés, solvé et coagula, coagula et solvé, pour le parchemin, il coule entre les doigts, et si tu et si sera, pendant que les flammes fument l'art magique que tu as invoqué, se présentera devant toi une ombre à laquelle tu prêteras l'émotion. Elle, sa tête, son mécanisme, répondra toutes tes questions. Rien ne lui échappe car elle.